tu es un grand homme de commande. C'est quoi ça? Et vous êtes qui? Je m'appelle Jan O'Brien. Je suis ravi de pouvoir faire votre connaissance. Pouvez-vous me dire où nous nous trouvons exactement? On est à Mirbel. Et en quelle année? 1990. Vous m'avez demandé en quelle année on était? Oui. Je voulais m'assurer que j'étais bien arrivé à la bonne époque. Pardon, mais vous foutez de ma gueule? Qu'est-ce que c'est? C'est mon implant. Je l'ai depuis la naissance. T'as pas mal? Tu viens vraiment du futur? Qu'est-ce que c'est? C'est un casque. Mets-le sur tes oreilles. Oui, j'aime bien. Moi, c'est ça ma musique. Mais c'est bon, pardon, je t'ai dit! Pardon, monsieur, préfère partir à Paris ou je ne sais où en dépensant l'argent que je gagne! Bon, ça va, c'est bon, promis! Je vais trouver quelqu'un pour t'aider, tu pourras même lui raconter tes histoires de filles qui cassent les couilles! Ok, c'est qui lui? Bah. C'est Jeanne. Hey, qu'est-ce qu'il fout ici? J'ai encore le droit d'inviter qui je veux chez moi, non? Jeanne, je te présente mon frère. Bon bah c'est bon, les présentations sont faites. Maintenant tu dégages. Non mais attends. 4000 ans, mais je vais gagner au loto tous les jours avec toi. En réalité, c'est plus compliqué que ça. Votre monde ne ressemble plus au mien. C'est-à-dire? Eh bien, par exemple, après les guerres, le monde s'est reconstruit dans la paix et l'uniformité. Chaque ethnie s'est mélangée pour n'en former plus qu'une. Ma mère était métisse. Malheureusement, j'ai hérité de la peau laiteuse de mon père. Ouais. Qu'est-ce que t'as ramené à la maison? Ma mère était métisse.